Alors, Ouais. souvenez-vous, la fois dernière, nous avions parlé des différents états d'âme, plus ou moins. On avait fait un petit peu le tour très grossièrement, grosso modo, de ce qu'était l'âme, l'esprit et le corps, puisque nous sommes l'être humain est constitué de. C'est une tripartite, c'est-à-dire il a un corps, il a une âme et il a un esprit. Et nous avons vu que l'âme et le corps étaient mortels, mais pas l'esprit. Ici, je vais continuer mon enseignement qui est en réalité une introduction la semaine prochaine à la chair et l'esprit. La chair selon la pensée de Paul et l'esprit, bien sûr. Bon. Donc, ici, je vais vous parler de l'âme animale et de l'âme divine qui est en nous. Et comme introduction, ben, on va prendre la création dans son ensemble pour entrer dans ces dimensions et pour bien contrôler, bien marquer ce qu'est l'âme animale et l'âme divine. Eh bien, il faut retourner au moment où nous avons été créés. Alors, l'Éternel crée plusieurs mondes, plusieurs règnes. Il y a le monde minéral, le monde végétal. Il y a besoin du monde minéral pour se développer. Il y a le monde animal qui va se servir des deux autres mondes, le minéral et le végétal, pour son développement, pour sa croissance. Et tout au-dessus de la chaîne de la création se trouve l'homme qui a besoin de ces trois règnes, d'où il va tirer son énergie, il va tirer ses forces. C'est-à-dire que le règne minéral, s'il vous manque par exemple du fer, vous êtes anémié, l'anémie est une maladie. Le monde végétal, pareil, s'il vous manque de légumes, eh bien, vous n'aurez pas assez de vitamines. Il faut manger équilibré, en quelque sorte. Vous n'aurez pas assez de vitamines pour pour constituer votre énergie, votre corps. Et si vous n'avez pas de protéines, que ce soit des protéines végétales ou animales, eh bien, c'est pareil. Vous allez être en carence, comme on dit. Donc, ça va déboucher sur des maladies. Donc, il faut absolument avoir un bon équilibre entre tous ces règnes, hein, et ces règnes qui sont nécessaires à notre développement et à notre croissance. Et tout au-dessus de tout cela, bien, il y a l'homme. L'homme qui a besoin de tous ces règnes, dont il va tirer son énergie, ses forces. Énergie de subsistance physique. Si vous travaillez dur, bien vous avez besoin de manger beaucoup de viande, hein, beaucoup de protéines. Énergie psychologique aussi. Lorsque vous êtes bien nourri, lorsque eh bien vous allez bien vous sentir dans votre peau, vous allez bien vous sentir dans votre tête, hein. Vous allez voir la vie différemment que si vous êtes malade. Lorsqu'on est malade, évidemment, bon, ben, on ne voit pas la vie de la même manière que quand on est en bonne santé. Et il y a aussi une nourriture spirituelle. Cette nourriture spirituelle nous permet d'entrer dans les mystères divins et nous permet de nous reconnecter à l'éternel. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard, c'est notamment la cacheroute. La cacheroute, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert justement à pouvoir avoir une alimentation qui nous permet de bien nous reconnecter à l'éternel. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis très pris du foie. Vous me faites des frites et des œufs, et comme dessert, une crème au chocolat, j'ai une crise de foie. C'est-à-dire que je suis malade physiquement, je vomis, hein, ou bien j'ai de la migraine, que je suis parfois obligé de rester 3 jours dans le noir. Psychologiquement, ben, je vois tout en noir aussi, hein, donc il n'y a rien de bon, je ne vois rien de bon.
Et spirituellement, je n'arrive même plus à prier. Je ne sais même plus prendre ma Bible, je ne sais même plus lire ce qui est marqué dedans. Donc vous voyez que l'alimentation est quelque chose d'extrêmement important. Or, l'homme est appelé à dépasser ou à se libérer de son monde animal pour embrasser son monde à lui qui lui est propre et qui est son humanité. Alors l'homme, contrairement à l'animal, est ce qu'on dit, ce que les Latins disent, il est capax dei, c'est-à-dire il est capable de concevoir son créateur, il est capable de concevoir l'éternité, ce qu'un animal n'est pas capable de faire. Or l'homme est appelé à dépasser donc ce monde animal, à se reconnecter à son créateur. C'est ce qu'on retrouve généralement dans tous les croyants du monde, c'est-à-dire ce sentiment du paradis perdu. Et par tous les moyens, on essaie de se reconnecter, de retourner dans ce paradis perdu. Et vous avez une multitude de religions. Or, l'Éternel nous donne la Torah et nous a donné son Fils unique pour pouvoir justement retourner dans le Gan Eden. Mais voilà, l'homme préfère ne pas suivre les voies de l'Éternel et préfère s'inventer un tas de dieux, un tas de moyens. Ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, voilà plus ou moins ce qu'est l'homme par rapport à l'animal. C'est qu'il est capable de concevoir l'éternité, de concevoir son créateur. Donc l'homme a tout d'un animal, sauf qu'il a quelque chose en plus qui le distingue de l'animal. Si vous mettez un grand singe et un homme à côté l'un de l'autre, ben, physiologiquement et physiquement, il n'y a pas beaucoup de différence. Où se situe la différence, c'est justement que l'homme est un animal religieux. Il a besoin de se reconnecter à l'éternel, il a besoin de se relier à la source. Alors, cette étape, je vais dire, de cette animalité qui est en l'homme, qu'on ne distingue pas l'homme de l'humain, eh bien, ça s'appelle l'âme animale. Et il est appelé, l'homme est appelé, bien sûr, à développer son âme divine. Donc, l'homme en lui a une âme animale et son but est de dépasser cette âme animale. Bon, de quoi je veux parler en parlant d'âme? On va rappeler les petites notions, 2 minutes, de ce qu'est l'âme, bien sûr. Hein, parce que, bon, évidemment, c'est très complexe et on ne fait que prendre l'écume de l'eau, comme on dit, parce que, bon, c'est une complexité incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a trois termes en hébreu qui parlent. Enfin, qu'on a traduit malheureusement par un seul terme en français. Tant le français est une langue très riche, mais bon, on n'a pas su, je crois qu'on n'a pas pu déterminer la profondeur de ce qu'est une âme en réalité. Donc, il y a ce que j'appelle des états d'âme. Et en plus, avec la notion de grec, il y a une confusion qui s'est installée mêlant l'âme et l'esprit. Tantôt on prend l'âme pour l'esprit, ou bien on prend l'esprit pour l'âme. Or, ce sont deux choses totalement différentes. Sachant que l'homme est tripartite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est une âme, il est un corps, il a un esprit, il ne peut fonctionner sans l'une des trois parties qui font de lui ce qu'il est. Si vous enlevez l'âme et l'esprit d'un corps humain, eh bien ce n'est plus qu'un légume.
C'est le cas des personnes en état végétatif dans les hôpitaux. Il n'est plus qu'un corps, maintenu en vie par des machines, certainement. Bon. Alors il n'est ni plus ni moins qu'une plante. Et l'homme qu'on maintient en vie artificiellement, et dont les fonctions cérébrales de la pensée ne fonctionnent plus. Si l'homme est un corps et une âme, soit l'âme, c'est-à-dire le principe vital, ce qui fait en sorte qu'il est vivant. Les animaux aussi sont vivants, les plantes aussi sont vivantes. Hein. Donc c'est ça, vous voyez, l'âme c'est ça. Donc vous avez un corps, vous avez le principe vivant qui est en lui, alors il est un animal. C'est ce qu'on appelle en hébreu le nephesh. Mais si l'homme a un corps, une âme et un esprit, alors, ça devient un être humain qui donne un sens à sa vie adamique, sa structure adamique. Donc, pour atteindre ce niveau, nous devons avoir un esprit qui vient de notre Créateur. Il y a un de nos objectifs est de donner un sens divin à notre existence. C'est ça qui est important. L'animal n'a pas besoin de donner un sens divin à son existence. Mais l'homme, bien. Pourquoi? Parce qu'il a cette particule, ce yut en lui, qui est divine. Alors, on va parler un peu de l'âme animale, bien sûr, qu'on traduit en hébreu par nefesh be'ama. Et pour ça, pour illustrer ce que je dis, pour corroborer ce que je dis, on va prendre Matthieu chapitre 15, verset 19. Matthieu chapitre 15, verset 19 nous dit: Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, c'est le siège de tout cela. Et l'âme animale, c'est le siège de nos émotions, en quelque sorte. L'âme animale nous pousse à vivre comme des animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vivre comme des animaux? Eh bien, ça veut dire profit immédiat, le plaisir, la satisfaction, aucune réflexion sur le sens de notre vie. Aucune réflexion sur le pourquoi de notre existence ou sur le but de notre existence. Et il y a effectivement un combat qui est en nous, qui est personnel, entre cette âme animale et l'âme divine. Vous voyez? Et cette libération est excessivement difficile et très peu arrive à dévoiler et à renforcer son âme divine, à la soulever au-dessus de l'âme animale. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans cet état d'âme, le siège de nos émotions. Ça se remarque souvent dans nos prières. Quand nous prions, qu'est-ce qui fait que nous... Avec quelle partie nous prions? Nous prions bien sûr avec le corps. C'est-à-dire que, bon, il y a des positions à avoir pour prier. On peut prier à genoux, on peut prier couché, on peut prier les bras tendus, les bras élevés, les mains croisées sur le cœur. Donc, il y a plusieurs manières de prier au point de vue corporel. Mais au niveau de l'âme, généralement, on prie avec notre âme. On prie parce qu'on est envahi par des émotions qui sont tout à fait humaines, qui sont tout à fait normales. Oh Seigneur, que j'aimerais bien que ma petite fille puisse réussir à l'école, que j'aimerais bien que telle personne puisse ne plus souffrir. Mais tout ça, c'est normal. Or, en discutant avec une amie québécoise, une pentecôtiste, elle me disait que on était toujours plus poussé à prier avec notre âme qu'avec notre esprit.
Or, ce qu'il faut, c'est prier avec notre esprit. Il faut que notre esprit épouse l'esprit divin. Puisqu'il nous est demandé d'adorer l'Éternel en esprit et en vérité, et pas avec notre âme, et pas avec nos sentiments. Vous voyez? Donc, on constate que l'humanité est prisonnière dans son âme animale. Et on constate que l'âme animale nous fait vivre une vie où on ne réfléchit pas, où on ne se pose pas de questions. La seule chose qui nous intéresse, c'est quoi? C'est l'argent, le profit, le plaisir, une belle maison, une belle voiture, la piscine, travailler pour travailler, faire des heures supplémentaires pour avoir un mois de congé. On vit comme des animaux, tout simplement. Naître, manger, se reproduire et puis mourir. Et après? Après, il n'y a plus rien. Ça, c'est l'âme animale, ça. Je pense qu'avant la faute, cette âme animale n'était pas en l'homme. Il n'avait que l'âme divine. Et c'est ce que nous présente la Torah avec le code du serpent de la Genèse, par exemple. Ce serpent qui était à l'extérieur de l'homme et de la femme et qui est entré à l'intérieur de l'homme et de la femme, d'une manière spirituelle, je parle ici, bien sûr. On sait très bien que la Genèse est un mythe, hein, et le mythe, ça sert à nous expliquer les profondeurs dont il n'y a pas de mots pour expliquer. Donc le mal existait, le narrach, le serpent qui représente le mal, existait à l'extérieur, mais n'était pas encore entré à l'intérieur de l'homme. Et ce mal était tellement fort, si fort, la preuve, il a fait tomber Adam et Ève. Donc la faute a fait entrer le mal à l'intérieur de l'homme. Et depuis lors, l'homme est composé est composé de ce conflit à l'intérieur de lui-même qu'on appelle le libre arbitre, bien sûr. C'est quoi le libre arbitre? Ben, c'est de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Et croyez-moi, ce n'est pas si évident que ça. Parce que tout à l'heure, il y a des inversions de valeurs. Le bien devient mal et le mal devient bien. Et ça, c'est le narrache, c'est le serpent, hein, qui sait s'y prendre pour que nous croyions que ce que nous faisons de bien, en réalité, c'est mal. Je prends l'exemple de l'euthanasie. Oh, pour ne plus qu'il souffre. Hop, de nouveau, les sentiments. Pour ne plus qu'il souffre, je voudrais bien qu'il parte. Et aidons-le à partir. C'est pour une bonne cause que je le fais. Or, il est dit dans les Écritures, dans le Décalogue, tu ne tueras point. Vous voyez? C'est ça. Donc, l'âme animale qui le pousse à vivre comme un animal est une âme et une âme divine qui va l'aider à se connecter à son Créateur, à son Elohim, tout en étant quelqu'un qui agit dans le monde, bien sûr. Alors l'âme divine n'est pas là pour nous déconnecter du monde, pas du tout, comme le prétendent certaines religions, comme certaines confessions, hein, mais pour nous donner des forces et des énergies, pour nous connecter avec Hachem, mais dans le but d'agir dans le monde, pour purifier le monde, chasser toutes les saletés qui se trouvent dans ce monde. Préparer aussi la venue du Mashiach, qui détruira et chassera tous les dirigeants lors de ce retour, et les peuples reprendront leur identité une fois que toutes les créatures seront vaincues par le Mashiach à la fin des temps. Je pense sincèrement. Et comme ça, il donnera à chacune des 70 peuple, ces 70 peuples, l'identité qui lui convient.
les 70 peuples qui sont descendus en Égypte. Voyez? Le mal est appelé l'écorce, clipa, dont le concept juif, l'écorce, cache le fruit. Et tout comme les forces obscures, l'âme animale cache l'âme divine et nous empêche de nous connecter au maître du monde. Alors, de la même manière qu'au niveau de la nourriture, il y a énormément d'animaux que nous avons le droit de manger. Purifier son âme animale pour qu'elle devienne cachère comme un animal cachère que l'on peut manger. C'est un des buts aussi. Je ne veux pas dire que notre âme animale est mauvaise. Je ne fais pas de dualisme manichéen. Le corps est bon, l'âme n'est pas bonne, l'esprit est merveilleux. Non, 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 non. Nous sommes tripartites, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'esprit s'enchevêtrent. Mais comme dès le départ, notre âme animale a été pervertie à cause de la chute, eh bien, on peut se la purifier, on peut la sanctifier pour une consécration pour le Seigneur. Voyez? Ça veut dire qu'au point de départ, notre âme animale n'était pas forcément mauvaise. Mais c'est le désir de se connecter à son Elohim qui fait que l'homme tombe dans son animalité, tombe dans la débauche, le profit, le plaisir, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on voit tant d'humains se comporter comme des animaux, au point qu'ils n'ont plus rien d'humain. Un psychopathe, je suis désolé, bon, il n'a rien d'humain. Quelqu'un qui, pour prendre un exemple de ce que je dis, qui viole une femme, eh bien, il fait appel à son instinct le plus bas, à son âme animale. Voyez? C'est très grave, évidemment. C'est un meurtre qu'il est en train de commettre là. Mais, Dieu étant miséricordieux, il peut cachériser son âme animale en quelque sorte, la purifier et la mettre à part pour servir l'Éternel. Au point de départ, l'âme animale était censée être dans l'homme comme la nourriture cachère, c'est-à-dire l'âme animale a pour but de nous connecter à ce monde. Et on voit ça dans la paracha Berukotai, on le verra dans la paracha Berukotai. Si nous n'avions que l'âme divine, eh bien, on aurait un mal fou à se connecter à ce monde, justement. C'est comme ça que, bien sûr, je perçois le statut adamique d'avant la chute, hein, le statut adamique, c'est-à-dire lorsque l'Éternel crée ce statut, cette dimension adamique. Monsieur Adam n'existe pas, Madame Hawa non plus, Madame Ève n'existe pas. Monsieur, ça se dit Ish. La femme, ça se dit Isha. Mais Ish et Isha ont des statuts adamiques et le principe de vie qui est Hawa, qu'on a traduit par Ève. Voyez? Donc nous avions que l'âme divine. Avec l'âme divine, on aurait un mal fou à se reconnecter à ce monde. Et c'est comme ça que je perçois ce statut adamique d'avant la chute et qu'on retrouvera avec la vie éternelle. Lorsqu'on sera ressuscité avec le Mashiach, puisqu'il est venu nous proposer, il est venu nous donner la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il va nous réparer, qu'il va nous mettre comme si on était dans le statut d'Adam avant la chute. C'est ça la vie éternelle, pour moi. Or, le but de l'Éternel est de se dévoiler où? Dans le ciel? Non. Le but de l'Éternel est de se dévoiler dans ce monde, dans le monde d'en bas, et pas dans le monde d'en haut.
Le monde d'en haut, c'est déjà son monde à lui. Et vous savez, la faute a un certain avantage car elle a ramené l'homme à une certaine connexion avec le monde d'en bas. Et je pense que lorsque l'âme animale est entrée en lui, en l'homme, elle était cachère au départ. Ça veut dire qu'elle ne cachait pas l'âme divine. On fera une étude là-dessus sur l'or, enfin, en hébreu c'est or, c'est-à-dire la lumière primordiale de Béréchit. C'est de ça dont je veux parler, évidemment. C'est-à-dire que cette âme divine, cette lumière qui doit être en nous, est cachée par l'âme animale qui est pervertie. Or, au point de départ, ben, cette âme animale ne cachait pas l'âme divine, elle vivait côte à côte. Donc l'homme devait trouver un équilibre entre la connexion avec Dieu et l'action dans le monde matériel. Malheureusement, l'homme animal a pris plus de force à l'intérieur que l'homme au point de cacher son âme divine. Elle est devenue une clipa, une écorce. Une écorce qui voile le fruit. Conséquence, eh bien, l'homme est tomber complètement dans l'idolâtrie, dans la laïcité, au point qu'il n'est plus intéressé par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresserait au maître du monde? Pourquoi il s'intéresserait à son créateur? Il est lui-même un créateur, il est lui-même Dieu. Il se satisfait à lui-même. Au départ, l'âme animale aurait un but positif, déconnecter l'homme des mondes d'en haut, dans le sens de ne pas avoir trop la tête dans les étoiles et pas assez les pieds sur terre, et amener l'homme à se connecter avec le monde d'en bas. C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Alors l'âme animale n'est mauvaise qu'en fonction de l'homme, car s'il ne cherche pas un équilibre, eh bien il va sombrer dans la débauche. Donc, l'âme animale n'est pas mauvaise en soi, mais elle n'a pas une dimension spirituelle qui n'appartient qu'à l'âme divine. L'âme divine, c'est cette dimension spirituelle, c'est cette âme qui fait que nous sommes des hommes, c'est cette âme qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Et l'âme animale ne s'intéresse qu'au corps, c'est ce que Paul appelle la chair d'ailleurs. Et dans la dimension cachère qu'elle donne la vie au corps, par le souffle de vie et l'action au corps, eh bien, l'âme animale ne va pas te pousser à servir Dieu. Mais parce qu'elle est cachère, elle ne te fera pas tomber dans les saletés de ce monde. Le but de notre existence n'est pas de se connecter de ce monde, mais de vivre avec lui, en le sanctifiant, en le purifiant, grâce à notre âme divine. Le corps glorieux dont on nous parle lors de la résurrection, ce corps glorieux sera au-dessus de l'âme divine. Par le corps où la chair cache en lui la lumière divine qu'il faut chercher et dévoiler. Cette lumière primordiale, cette lumière qui est enfouie sur les scories. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde, débarrassez-vous de vos scories pour que vous puissiez illuminer tout le monde entier. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'âme vivra dans le monde matériel d'une manière spirituelle. C'est ça le corps glorieux. Le travail que nous devons faire est de se connecter au bien
qu'il y a dans ce monde avec des gens de bien, des amis authentiques. Étudier la Torah, respecter et accomplir les commandements divins. Et quand on arrive à se connecter ensemble avec ce bien qui se trouve dans ce monde, on arrive à se nettoyer, à trouver l'équilibre entre l'âme animale, cachère, et notre âme divine. Soit l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Alors à ce moment-là, frères et sœurs, on deviendra ce qu'on appelle un homme authentique, un véritable homme. Et la chair est caractérisée par des envies exclusivement tournées vers nous, au détriment des choses de Dieu. Mais j'en parlerai une autre fois, si vous voulez bien, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça, avec cette âme animale et cette âme divine. C'est simplement une introduction à la semaine prochaine où je vous parlerai de la chair et de l'esprit. Je préfère m'arrêter ici. Hein, pour que vous puissiez un peu laisser reposer tout cela en vous et pour qu'on puisse en débattre aussi. Amen. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté, en tout cas.